Putain, t'as pris des balles, je te pose. Je suis là, je suis là, je suis là. Attends, soigne-le, il a pris des balles. C'est dangereux, il est très dangereux. Soigne-le, il a pris des balles. Ouais, faites, tu. Ne l'emmenez pas à l'hôpital. Non, non, je l'emmène pas là. T'es blessé, Violette? Non, c'est lui qui a pris les balles, c'est pas moi. Il est en hypothermie. Non, il a pris une balle là. Il a pris une balle? Oui, il a pris une balle. Oh putain. Allez, attends, je te soigne. Tu le gardes en joue, Maxime? Je le soigne. T'inquiète. T'as vu ses blessures? Il a pris une balle dans le dos. On va extraire ça tout de suite. Attends, regarde, ça saigne là. La balle a traversé ou pas? Elle a traversé l'épaule ou pas? Regarde. Ouais, elle est sortie, tu vois le trou là? Elle est sortie. Ouais, je vois. Ben, je mets ma main dessous pendant fais le soin dessus, regarde. Vas-y, je vais appliquer le bandage. Vas-y, je compresse dessous. Ouais, laisse-moi faire. Tu fais les premiers soins dessus. Je me permets juste de prendre ses armes. Allez-y. Vous écartez parce qu'on va pas réussir à le soigner autrement. Ouais. Attends, allez-y, je prends juste ses armes. Ouais, comme ça, attends. Moi. Et puis ça. Attends, écarte-toi. Attends. Je m'écarte un petit peu. Ouais, vas-y pour nous. Moi, je compresse le sou. J'ai pris ses armes, vous pouvez y aller. Il sera plus dangereux. Ah putain, il est en train de perdre connaissance. Non, on perd pas connaissance. On reste vivant. On reste réveillé. Allez, on reste avec nous là. Putain, je vais l'appliquer à bandage. Ouais, vas-y. Un EMS de toute urgence. Un EMS, on s'en fout du scotch. Un EMS, vite. Bon, il faut une deuxième personne vas-y à l'intérieur. Finis-le. S'occupe de lui. Occupez-vous de lui. Tenez, je vous donne mon haut. Prenez comme garde, vous tenez. Non, laissez. On a déjà fait le premier pansement dessus, je vais faire le reste. Je vais finir le pansement. Allez, c'est bon, ça va aller. Là, on a fait les premiers soins, il aura besoin de points de suture à l'hôpital, hein, faudra l'emmener. Attends, allez, comment il s'appelle le monsieur? Monsieur, faut rester avec moi, s'il vous plaît. Appelez-le Abdel. Allez, monsieur, faut rester avec moi, s'il vous plaît. Abdel. Restez avec moi. Vous allez me tuer, c'est ça? Jamais. Je vous ai fait les premiers soins, je reste avec vous. Restez avec moi. On est en train de sauver votre vie, monsieur Maroui. On est en train de sauver votre vie, monsieur Maroui. Parlez-moi. Dites-moi tout ce que vous voulez, il faut que vous restiez éveillé. Allez. On est en train de sauver votre vie. Non, je ne vous tuerai pas. Mon métier, c'est de sauver les gens. Tuez-moi. Non, je vous tuerai pas. Je vous tuerai pas, bordel de merde. Mon métier, c'est de sauver. Vous fermez votre gueule, là, et vous arrêtez de dire des conneries, ok? Là, je suis fâché après vous, là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tuez-moi. Tais-toi. Allez-y. Allez, reste avec moi. Reste avec moi. Faites-vous plaisir. Non. Faites-vous plaisir. Reste avec moi. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour mon collègue, si ça va là-bas? Oui, c'est bon, tout est réglé là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir. On va vous emmener à l'hôpital, on vous fera les autres soins à l'hôpital, mais vous restez avec moi pour l'instant. Vous avez le droit, là, allez. J'ai été un peu rude avec vous, mais vous pouvez me parler maintenant. Vous appelez comment, monsieur? On se réveille. On parle à Violette, faut parler à Violette. Réveillez-vous. Allez, monsieur, réveillez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, on est en train de le perdre si on l'emmène pas à l'hôpital. Ok, ça y est, il revient à lui, c'est bon. Daniel, vous avez pas une couverture On va devoir l'emmener à l'hôpital. Oui, il faut que j'emmène à l'hôpital, il est pas bien. Venez avec moi, mademoiselle. De toute façon, il est désarmé. Venez, on va vous aller le transporter. Oui, il est désarmé, il a plus rien. Venez là. Mettez-le dans la voiture. Tuez-moi. Je vous tuerai pas, je suis pas là pour vous tuer, monsieur, je suis là pour vous sauver. Parlez-moi, dites vos conneries si vous voulez. Je veux bien les entendre. Ah, puis vous me faites l'odoter, là. Ça va bon pour moi, ça. Allez. Faites attention quand même, hein. Je veux pas mourir deux fois ce soir. 20, il est avec moi, on l'emmène à l'hôpital. Non, c'est mon perso RP qui zozote. Allez, on va arriver là. Parlez-moi, monsieur, parlez-moi. C'est comment son nom à lui? Abdel. Marie. Abdel. Monsieur Abdel, il faut se réveiller, monsieur. Ok. Attendez, je vous aide à le porter. Ouais, parce qu'il est lourd quand même. Je suis en tenue, hein. On est d'accord. Aïe. Eh. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, on y va.
Oh là là, il est lourd, hein. Il est très lourd. On va y arriver. On va aller à la salle d'op direct, ok? Allez-y, on y va. Allez, on va se poser sur lit. Si jamais il devient violent, je rentre. Vous inquiétez pas, dans l'état où il est, ça risque pas. On se met sur le lit. Allez, je vous pose sur le lit. 20 pour centrale. Je vais. Allez. Oh, allez, on se pose sur le lit. Je sais que c'est pas facile. Okay, je vais vous aider. Allez, on va. Je vous déshabille, monsieur. Dans la votre chaussure, vos pantalons. Voilà. Et si on peut s'allonger, j'essaye de vous allonger correctement pour pas que vous ayez mal à l'épaule, d'accord? Voilà, j'essaye de vous allonger. Allez, on y va doucement. Je suis pas là pour vous faire mal. Allez, on prend son temps, on a vraiment le temps là. D'accord? Voilà, c'est bien. Excellent. Ah, il est où? Ma gueule! Parfait. Ah, c'était parfait. Ouais, c'est... C'est très bien. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Je suis bloquée. Bon, je vais chercher le matériel. Donc, la balle est sortie de l'épaule. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais faire peut-être une anesthésie générale. Comme ça, je vais pouvoir traiter... Prendre ma tosse, prendre mes papiers, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais je vous pose une perfusion avec un petit anesthésique pour pas que vous ayez mal. Ça va vous endormir à peu près pendant 10 minutes, ok? Voilà, même si vous ne me répondez pas, j'espère que vous m'entendez. Je vous pose la perfusion. Voilà. Je l'ai posée sur votre main. Sur votre beau tatouage, j'ai posé la perfusion. Il sera pas abîmé, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai mis le sérum. Je vais aller chercher l'injection pour l'anesthésie. Petite anesthésie, vous êtes pas bien lourd. C'est bon. Oui, vous pouvez, il va dormir lui. Hein. Je vous mets l'anesthésique. Voilà. Vous allez plus avoir mal, vous allez être endormi là. Vous allez avoir des difficultés à vous mouvoir. Hein. Vous ne pourrez pas bouger. Bon, j'enlève les pansements. Voilà. Premier pansement. Vous avez... La plaie est belle, quand même. Bon, d'accord. Je regarde. Ok. Il nous faut un médecin qui ouvre la morgue. Ok. Attends. Je vais prendre des points de suture. D'accord. Deux petits points de suture ici. Ok. On va faire de l'autre côté maintenant. Ça va aller. Des points de suture. Putain, j'ai la main qui tremble. Oh. Putain, faut que j'arrête de trembler. Allez. Je sais pas si ce monsieur était. Je mets le pansement. Premier pansement. Deuxième pansement. Est-ce que vous pouvez garder un œil, s'il vous plaît, maintenant? Merci. Je vais lui passer des antibiotiques. Je vais prendre sa attention. Antibiotiques, je pense que ça devrait faire l'affaire en injectable. C'est bon. On va poser les antibiotiques. Et celui-là, allez, antibiotiques en route. Un petit peu de sirop fille là-dedans. Voilà. Je vais prendre votre tension. Vous êtes endormi, mais je pense que vous m'entendez. Allez, on prend la tension. Oh, petite tension, 11-10. C'est un peu pincé, mais ça devrait aller. Je vais prendre votre pouls maintenant. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bon, c'est bon. Vous avez un pouls à 60, c'est parfait.
Voilà. Je suis coincé. Ok. Tension bonne, je vais marquer. Alors. Alors, au patient, j'ai fait les pansements posés antibiotiques. Tension 11, 10, pincé, pouls à 60. On va faire un prélèvement sanguin. On va voir le taux de globules rouges, s'il aura besoin d'être transfusé ou pas. Ok. Bon, je vais faire la prise de sang, parce qu'il a perdu quand même pas mal de sang qu'on va envoyer au labo. Allez, je pique prise de sang. Voilà, je vais envoyer ça au labo. Et en même temps, on va faire le groupe Rhésus. S'il a besoin d'être transfusé, je serai son groupe comme ça. C'est bon. Groupe Rhésus. Voilà, c'est bon. Je vois ça au labo. J'envoie ça direct au labo. Ah bon, allez, voilà. Bon, je vais le couvrir pour pas qu'il ait froid. Je pose la couverture. On prendra la température un peu plus tard. La perf fonctionne bien. C'est bon. Où est-ce qu'il est le docteur? Daniel? Vas-y. Daniel? J'essaie de faire revivre un patient. Ouais. Je descends des prélèvements au labo. Place lui le masque à oxygène, s'il te plaît. Ça va ici? Très bien, très bien. Bon. Je vais retourner voir le mien. Oh, excusez-moi. Je vais envoyer les trucs au labo. Allez, on va faire comme si j'étais allé au labo. Parce que je sais pas où sont les labos ici. Pour monsieur Mike Malone. Salut meuf, t'as des belles fesses. Est-ce que vous vous réveillez, monsieur? Monsieur, vous vous réveillez? Oui? Ouais. Ça va? Est-ce que vous avez mal? Non, je sens rien. Ça va? Vous sentez rien? Je vous conseille de ne pas bouger pour l'instant. Vous avez perdu beaucoup de sang. Je vous ai soigné. Mais si vous vous levez trop vite, vous aurez des vertiges. Vous risquez de tomber, d'accord? Je vous ai posé une perfusion. Je vous ai fait des antibiotiques. J'ai envoyé un prélèvement au labo pour savoir si vous avez besoin d'une transfusion. Vous êtes quel groupe sanguin? O positif. O positif. D'accord, il y aura vérification au labo. D'accord. Voilà. Donnez, je vous prends la main. Vous avez froid encore. Je vais prendre votre température. Ne bougez pas. Je vous prends la température dans l'oreille. Hein. J'ai un thermomètre spécial. Ah oui, vous avez froid. J'ai malgré la couverture. Je vais vous masser un petit peu pour vous réchauffer. Voilà, je vous masse un peu le dos, doucement. Ok, voilà. Je vous masse la main maintenant. Ça va vous réchauffer un petit peu. Je suis désolée, hein. Je ne peux pas vous réchauffer autrement. J'ai une couverture chauffante, mais je ne peux pas l'augmenter. Autrement, vous allez peut-être avoir vraiment trop chaud. Voilà, je vais vous masser les jambes. Ça va mieux comme ça? Vous sentez mieux ou pas? Vous pouvez me parler? Monsieur? Ouais? Dites-moi quelque chose. N'importe quoi. C'est la fin, je vais aller en prison. Ah, c'est sûr, vous allez en prison, mais vous avez pris les risques et vous avez perdu. Chacun fait sa voix, chacun fait son choix. Il va falloir assumer maintenant. Moi, mon but, c'est de vous guérir. Après, c'est à vous de faire votre chemin vous-même. D'accord? Laissez-moi aller en fédé. Allez, attendez. Là, je vais augmenter un peu la couverture chauffante quand même. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pris là? Oh, j'ai pris le couteau. Oh, c'est le scalpel. Voilà. J'ai augmenté un peu la couverture pour que vous ayez un peu plus chaud. Je viendrai reprendre pour voir si vous ne cramez pas quand même. Monsieur le policier. Il y en a partout, ils sont partout. Il y a plein de blessés ici. Hein. Je suis... Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Ah non, je peux pas, je suis désolée. Je peux pas faire ça. Aidez-moi à m'enfuir. Je peux pas, monsieur, je peux pas.
Aidez-moi. Non, je peux pas. Si vous êtes pas bien, non, je peux pas. Prenez ma main. Aidez-moi, mon fieu. Non, prenez ma main, prenez ma main. Allez, ça va aller. Vous allez guérir, vous ferez un peu de prison, mais c'est pas grave. Vous êtes jeune. Allez. Et peut-être que c'est le moyen de changer la voie que vous avez prise. D'accord ? Hein ? Vous croyez pas ? Faut réfléchir. La prison vous aidera peut-être à réfléchir. Appelez les policiers. Attendez, je vais en chercher un. Là-bas, viens, suis-moi. Messieurs, j'ai besoin d'un policier. Dites-moi. Mon malade voudrait parler à un policier. Faites attention, il est gravement blessé quand même. Il a perdu beaucoup de sang, vous lui parlez gentiment. Alors, monsieur Marouille, vous allez bien? C'est donc ça, vous avez voulu me tuer? Croyez-moi que non, monsieur. Vous avez vu? Les premiers soins directement que vous avez fait, monsieur. On est là directement pour vous. Vous avez tenté de me tuer. C'est bon. Voilà, ça y est, vous avez gagné. Vous allez me mettre sur la chaise électrique. Non. Écoutez. Il parle trop. Vous me le fatiguez. Sortez, s'il vous plaît. J'aurais dû tuer tous les otages. Non, c'est très bien ce que vous avez fait. Vous n'avez pas tué tous les otages. Vous m'avez sauvé. Il est fatigué. Je comprends, s'il vous plaît. Vous avez raté vos balles, c'est ça? J'ai pas tiré ne serait-ce qu'une seule fois, monsieur. Vous avez tenté de me tuer. Vous vous êtes tué tout seul, monsieur. Je vous comprends. Qu'est-ce que vous racontez? Les otages. Mais jamais de la vie. J'aurais dû tuer les otages. Mais non, c'est bien. La meilleure chose que vous avez pu faire, c'était celle-ci. Vous fatiguez mon patient. Sortez, s'il vous plaît. J'aurais dû tuer. Sortez, s'il vous plaît, avant que je me fâche. Ils vont m'abattre. Sortez, s'il vous plaît. Non, je serai là et je vous protégerai. C'est la peine de mort qui m'attend, madame. Mais non, la peine de mort, non, mais non. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ils me l'ont promis, madame. Mais non. Ils me l'ont promis. Il faut dormir maintenant. Je vais vous faire un petit somnifère. Je vais vous faire une petite anesthésie. Vous allez dormir. Plus de médicaments. J'en peux plus. Écoutez-moi, je m'appelle Violette. Écoutez-moi, je m'appelle Violette. Je suis là pour vous sauver. Je vais vous faire un anesthésie. Vous vous fatiguez à parler. Vous vous réveillerez demain matin et vous irez mieux. D'accord ? Écoutez-moi, je suis là pour vous sauver, ok? Et vous ne ferez pas... Arrêtez de dire des bêtises, ok? Vous me troublez, je vous fais la petite anesthésie, vous allez vous endormir laissez tranquillement. Non, je ne veux pas que vous en alliez, vous êtes là, et vous êtes avec moi. Non, allez, je vous fais l'anesthésie, vous allez dormir. Laissez la police m'emmener. Tiens, je vais poser l'anesthésie pour qu'il dorme. Laissez la police m'emmener. Vous comptez avec moi, à 5 vous dormirez. 1. 2, 3, 4, 5. C'est bon. Là, je peux le baptiser maintenant. Voilà. Ça y est. Il est bien dormi. Il dort. On va devoir le poser dans l'hydropot à côté de son ami. Pourquoi? Bah, au moins comme ça, au moins on est tranquille. Bah, faut le transporter à deux, il est lourd, hein. Vas-y, je vais le porter, non, moi, ça. Déjà, j'ai mal au dos tout à l'heure. Hein. Mais tu fais attention, hein, c'est mon malade, j'y tiens. Hein. T'inquiète pas. Ouais, c'est mon seul gros malade que j'ai eu. Hein. T'inquiète pas. Je lui ai fait tous les pansements, je lui ai fait les anesthésies, je lui ai fait les antibiotiques. Faut que tu reprennes la température et la tension. Ouais, je vais le mettre juste en face de lui. D'accord. Moi, comme ça, au moins... Par contre, si tu pouvais le poser sur le dos maintenant, d'accord? Sur le dos, comme ça, ça sera plus facile de lui faire tous ses soins. Très bien, sur le dos. Daniel, t'as fini de le mettre dans n'importe quelle position? Voilà, c'est bien. Je vais lui brancher l'appareil cardiaque pour qu'on puisse entendre son pouls, d'accord? Vas-y, mais je suis sous système respiratoire. Non, juste le cardio et le truc à oxygène au bout du doigt, là, comme ça on aura son oxygénothérapie.
Voilà, c'est parfait. Ça, c'est mon balade. Personne n'y touche, Daniel. Hein. Ouais, ouais, de toute façon, la police, ils vont le surveiller. Donc, au cas où. Mais je veux pas qu'il lui fasse du mal. Hein. Personne n'y touche. Hein. Non, non, personne va faire du mal à personne. On est en bonne sécurité. La police nous tient compagnie. T'inquiète pas. D'accord. Ouais. Monsieur, je vous les confie. Faites attention. Pas de problème. Ok, je vais ramper. Bonne journée à vous. Oui, comptez sur nous. Merci. Faudra que je repasse prendre sa tension et sa température quand même. Hein. Ok. Vu l'anesthésie que je lui ai fait. Enfin, je l'ai bien plombé là. Il en a au moins pour un bon quart d'heure. Franchement, t'es la meilleure. Ouais, tu m'as inquiété, Daniel. Ah, bah, j'ai eu peur. Hein. Ouais, j'ai eu peur pour toi. Regarde, je recommence à se doter. Ah, putain. De boulot. J'ai eu très peur pour toi. Ouais, c'est... Moi aussi, j'ai eu peur. Hein. Je pensais qu'il t'arrivait quelque chose de grave, mais bon. Bah, c'est moi qu'ils ont fait sortir la première. J'ai eu de la chance. Je serais pas sorti, je serais peut-être pas là. Depuis tout à l'heure, j'étais attendu devant. Ouais, tous les otages, ils sont sortis vivants ou pas? Ouais, oui, tous les otages sont de bonnes mains. En gros, je ne peux pas... En tout cas, tu veux me dire quelque chose, Violette? Non, je vais aller me reposer une minute, là. Moi aussi, je vais me reposer. D'accord. En gros, je ne peux... Je suis... Attends, il y a trop de bruit, là. Il y a trop de bruit, là. Ils sont bruyants. Ouais. Je pense que je dois me reposer dans le vestiaire. Ouais. Alors... Agent du LSPD. Ah, mais ouais, moi j'ai jamais fait d'illégal, ouais, monsieur, j'ai pas de casier, hein. T'as couvert le mec quand même. Bah oui, mais par amour. Ah, il parle trop fort à l'hôpital. Tu en fais autant de mal. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je peux pas y croire que j'ai oublié un truc pareil. Je te promets, je sais pas. Franchement, je suis content de toi. Merci, t'es gentil. T'es la meilleure. Non, c'est toi le meilleur, moi non, je suis pas la mais meilleure. Mais si, t'es la meilleure. En gros, je vais donner les explications. Je te jure, j'étais prêt à venir pour tirer au cas où si te relâchais. Bah non. En gros, Idar, ce malade est sous ma responsabilité. D'accord, je t'attends ici. Ce malade, il est sous la responsabilité de l'hôpital. Il est aussi sous la responsabilité de l'infirmier ou du médecin qui le prend en charge. D'accord. Moi, je suis là pour le sauver. Je suis pas là pour le faire évader. Mon but à moi, c'est de le sauver. Et vu l'état de la blessure, le fait qu'il ait perdu du sang, qu'il était en hypothermie, ce malade-là, il est en urgence vitale. D'accord? Je ne peux pas m'autoriser à faire évader. Déjà, parce que je me mettrais, moi, en porte-faux par rapport à la police. Et mon but n'est pas de faire évader ce malade. Mon but est de le sauver et de le soigner. Maintenant, il a pris sa voix. Il a décidé qu'il serait, on va dire, du mauvais côté de la justice. Il a pris une balle, il se fait soigner, il en subit les conséquences. Moi, je suis un MS, je suis là pour soigner. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, voilà, moi, je fais mon boulot. Par contre, je serai dans une scène ailleurs qu'à l'hôpital. Je serai en train de soigner quelqu'un. Pareil, qui aurait besoin de s'évader avec des policiers autour, je ne le ferai pas parce que je suis EMS, d'accord? Maintenant, je serai ripou, un infirmier ripou. Ok, je serai dans un autre lieu, pourquoi pas le faire évader? Ok, et là, est-ce que tu as vu la situation? Je te remonte. Comment tu veux que je le fasse évader? Alors voilà, maintenant je te montre pourquoi. En plus, même si j'avais voulu le faire, faudrait être complètement idiot de le faire évader dans la situation qui est celle-ci. D'ailleurs, on est à l'hôpital. Et tu regardes bien. Transférés à la prison de Bolingbrook. Deux. Ça va de la vie à regarde bien. Bien, c'est quoi le problème? Oh man, c'est loin des nouvelles de mon collègue depuis tout à l'heure. Non, mais oui, mais 3, 4, on apprend sur le tas. 4, il y a 4 flics déjà là. 4. Non. 4 flics déjà, minimum. 4 flics, hein, tu vois? 4. Ici, il y en a combien? Il est juste de l'autre côté du... Touchez pas mon malade, s'il vous plaît. Okay. Et la compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 10. Oui, vous le touchez pas, je vais reprendre sa tension et faire ses soins. Vous pouvez vous écarter un tout petit peu, s'il vous plaît? Bien sûr. Monsieur, s'il vous plaît. C'est bien mieux comme ça. Je vais reprendre vos constantes, monsieur, la température, votre pouls et votre tension.
Je vais vérifier la perf. Donc, vouloir le faire évader alors qu'il y a une dizaine à 15 flics dans l'hôpital, faut être con et suicidaire. On est bien d'accord, ma scène, elle est bonne là, elle est bonne. Et je pouvais pas faire autrement, même si j'avais voulu le faire. On est ok ? Donc là-dessus, il n'y a pas de polémique. Alors, tension. Ah, elle a remonté, on est quand même à 12,8. C'est un peu mieux. Le pouls. Il va bien ? Ouais, les constantes remontent, c'est pas mal. Son pouls est toujours à 60, c'est bon. Son oxygénation est parfaite à 90. Je vais vérifier la perf, attendez. Allez, Farès. Et là, je ne gueule pas. Je suis logique. C'est comme ça que j'ai toujours appelé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pardon. Madame, s'il vous plaît. Faut que je vérifie la perf. Allez-y. Je vais regarder. La perf, elle passe bien. Pas de souci. Par contre, j'ai reçu vos résultats, monsieur. Va vous falloir passer du sang. Je vais aller chercher les culots. Je vais vous remettre une deuxième perfusion. Je vais noter ici vos constantes. Donc, on a 12, 8, 60. Ah, je vais reprendre votre température. Je vous pose le thermomètre que je me fais tout à l'heure. Excusez-moi. Mmh. Voilà, température. Oh bah c'est bon, on est à 37,5, c'est parfait. Allez, je note tout ça. Et je vais aller chercher le culot. Par contre, il me faut... Il est où précise. Le respect. Faut, j'ai besoin de Daniel. Je ne peux pas poser du sang sur l'intervention de Daniel. Oh, on va dire comme ce que j'ai reçu, récupérer mes radios. Daniel ? Ah ben non, j'ai plus de radio, moi. Putain. Ah, il est pas là. Merde. Bon, bah, je vais poser un demi-culot. Est-ce que tu tournes par groupe 6 des chambres là ? On va partir d'un prison fédéral. Bien ! Oui. N'hésite pas à dormir. Hein. Bon, je vais poser un demi-culot de sang là, et on vérifiera la tension. Le médecin va revenir après. Non, pas trop. Jojo, si le nom me dit quelque chose, mais. Bon, je pose le culot de sang. Je vais calculer les gouttes. Qu'est-ce que vous faites autour de moi, là? Je suis en train de soigner. Vous êtes trop nombreux, vous êtes des nids à germes, messieurs. Monsieur le collègue, venez s'il vous plaît. Vous êtes des nids à germes, mais il va pas s'échapper, il est presque mourant. Il va pas partir en courant. S'il vous plaît. Mais vous, madame, s'il vous plaît. Je me calme, mais je vous demande juste de policier, ça suffira pour lui. Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon, oui. C'est pas hygiénique d'être autant dans une pièce hospitalière. Vous avez raison, madame, vous avez raison. Mais je pense qu'il va passer la nuit ici. Hein. Ah oui, il pourra pas être transporté, il est intransportable. C'est pas moi, c'est pas de ma juridiction. Je sais. Je reprends l'attention, vite fait. On doit le ramener de suite à Bolivie. 12-8, elle est bien. Bon. Et qui l'exécute malheureusement. Qui est le policier qui l'a en garde ? C'est impossible. S'il vous plaît. Très a dit qu'il a reçu. C'est toi qui est le policier qui doit le garder ? Et je sais qu'au BCSO, chef, qui sont extrêmement. Ils s'en foutent des blessés. Je suis BCSO, je vous le dis. Donc, il est. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste là pour le moment. Non, il faut. Vous ne me touchez pas à mon malade ? Non, il reste là. On a un ordre. Ah, bah oui. C'est un ordre du gouvernement ? Ouais, c'est un ordre du gouvernement. Mais attendez, là, tout le monde parle en même temps. Qu'est-ce que vous faites ? De toute façon, il est intransportable. Ah, le lit n'est pas transportable. Il est intransportable. Il doit rester ici au moins jusqu'à demain. Du gouvernement, madame. Vous allez me tuer. On vient d'avoir un ordre du gouvernement, on doit l'emmener de suite. Bah, je l'accompagne alors, je peux pas le laisser comme vous n'avez pas à l'accompagner, madame. Madame. Vous allez me le tuer ? Oui. Sans doute, peut-être. Les gars du SWAT. C'est pas à vous de savoir. Je vais le porter, vous m'escortez, ok ? Écoutez, je vais être honnête avec vous et je vais vous expliquer quelque chose. Maxime. La personne qui est sur le lit d'hôpital derrière vous est l'un des plus grands criminels de Los Santos. Il est peut-être un grand criminel, mais il est sous ma responsabilité médicale. Ok, le gouvernement le veut. C'est direction la peine de mort. Merci.
Et si vous vous interposez à ça, madame, malheureusement, vous risquez de prendre... Tarif aussi. Mais je fais mon métier, vous allez... Mais je comprends que vous fassiez votre métier. Vous l'avez fait. Laissez-vous faire le nom. Ok, je... Vous êtes sous sa responsabilité médicale. Et vous êtes sous la responsabilité du gouvernement. Et donc, c'est le gouvernement qui vous donne quelque chose. Alors, là, c'est un ordre du gouvernement qu'on emmène, monsieur. Donc, vous n'avez rien à dire. Donc, madame, laissez-nous passer. C'est scandaleux. C'est la vie, madame. Sur le brancard. C'est scandaleux ce que vous faites là, vous n'avez pas le droit. Oui, allez, on me met sur le brancard, les gars, c'est parti. Allez-y, on vous suit. Vous n'avez pas. Oui, ils vont vous. Oh putain, mais c'est pas normal. Mais madame, faites quelque chose, il est sous ma. Il l'emmène. Je suis désolée, mais je suis au plus bas de l'échelle, je peux absolument pas. Mais c'est scandaleux, il devait rester ici encore toute une nuit, il est dans un état de malade. Maxime, tranquille, elle a rien fait, la pauvre, c'est pas sa faute. Elle m'explique, je comprends ça. Mais c'est pas normal. Non, mais il faut pas t'attaquer quand même. On va pas attaquer. Vous connaissez ce que votre collègue? Ah, je le connais. Ici, moi je t'ai dit, faut le faire. Son nom, il se fait appeler Silver. Je dis à personne qui s'est évacué. C'est Abdelmar, oui. Attends, excuse-moi, il faut que j'aille prendre un café. Ah, je suis obligée de me soumettre. Je suis obligée de me soumettre, j'ai pas le choix. Mais... Madame, la médecine, ils vont où? Je ne sais pas, je suis pas au courant, monsieur. Ok, merci.